Donner une voix et faire de la place aux réalisatrices de films. C'est un aspect important sur lequel doit encore travailler le milieu du cinéma pour la programmatrice de la Guilde biennoise du film, Nathalie Ruffnacht. C'est les hommes qui font le cinéma, c'est les hommes qui ont l'argent, c'est les hommes qui produisent. Et puis pour les femmes cinéastes, c'est un immense problème. Il y a beaucoup de talent chez les femmes, mais il n'y a pas d'argent. Mais les femmes sont tout aussi bons comme cinéastes que les hommes. Et puis les films sont, d'après moi, aussi plus intenses. Un tiers des films présentés la saison passée par la Guilde au cinéma Apollo étaient réalisés par des femmes. Un chiffre qu'elle ne cherche pas à augmenter à tout prix. La directrice de Cinévital désire créer un équilibre entre blockbusters et films à plus petit budget. Pour elle, la programmation doit être représentative du public. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de voir dans la branche cinématographique, de un petit peu structurer les choses. Ça veut dire, pour moi, c'est important de représenter le public. Le public, on sait, c'est plus que 50% des femmes. Ça veut dire qu'il faudra aussi de plus en plus représenter le public dans le management. Essayer d'atteindre un équilibre entre réalisateurs et réalisatrices est important pour les programmatrices. Cela, tout en gardant comme critères principaux la qualité et la diversité.